Alors, aujourd'hui nous allons voir comment remettre à niveau le liquide lave-glace. Parce qu'en fait là, quand je mets les essuie-glaces, il n'y a plus du tout de liquide qui sort et qui nettoie le pare-brise, donc il y a un problème. Donc en fait c'est à ce niveau là, cette espèce de petit logo là de pare-brise avec une paire de couilles. Non, mais désolé. Mais c'est bizarre quand même, hein. Quand on regarde comme ça fait bizarre. Bon, c'est un pare-brise avec une giclure de... Ouais. Donc, paf, on l'ouvre, hop, on passe aux choses sérieuses direct. Et maintenant, voilà, l'idée c'est qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur et on va le remplir jusqu'à cette marque là. Normalement, c'est censé être le trop plein. Voilà, enfin le niveau maximum. Moi, j'ai donc, un petit lave-glace comme ça, hein, senteur pêche. Alors, je sais pas si. Voilà, senteur pêche, ça va être ouf. Et voilà, 5 €, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc ok, parti. Petite préconisation quand même, c'est que on est quand même très près de la batterie qui est juste à côté. Donc on va faire en sorte de pas forcément toucher la batterie. Hein. Donc on met sa main de ce côté-là, hop, voilà, pour faire une espèce de rebord histoire que le liquide ne gicle pas directement sur la batterie. On va faire un rempart. Donc je vais pas pouvoir le montrer exactement comment ça se passe. Enfin, peut-être que si. Hop, voilà, je vais faire comme ça. Hop. Et je vais faire couler le liquide de pêche directement là. Comme ça, s'il y a des giclures, ça va pas sur la batterie. Hop, voilà. Et après, il faut bien se laver les mains. Parce que la pêche, voilà. Hein, on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Donc ça nettoie le pare-brise, ça a des moustiques. Je veux même pas savoir ce que ça fait aux mains. Donc voilà, je l'ai rempli. Alors vous pouvez voir que le liquide de pêche, ça sent la pêche. Non, vous pouvez pas le sentir. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il est rempli à peu près jusque là. Bon, j'aurais pu monter un peu plus, mais là. Voilà. Donc maintenant. On le referme, hop, paf, ça doit faire un petit clac. Et c'est bon. On peut faire un petit test, mais normalement tout est censé fonctionner. Allez, voilà, c'était comment remplir le liquide de lave-glace sur une Twingo 2.